Yo les gens, c'est Voltex. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir donc de vous présenter une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est sur Black Ops 1. Et je vous cache pas que ce sera une tentative donc 30-0 en mêlée générale. Et ce qui va aussi être intéressant dans ce gameplay, c'est que je vais jouer uniquement au couteau balistique et Tomahawk. Et ça risque de rendre la tâche vraiment difficile. Et vous allez voir que ça va être aussi un gameplay donc 100% rush. Donc on est parti, je vais vite fait vous présenter ma classe. En arme principale, j'avais la MP5K, mais rassurez-vous, je vais pas l'utiliser du tout, donc je vais faire aucun kill avec, puisque je vais uniquement jouer au couteau balistique et Tomahawk. J'avais aussi mis les Tomahawk, les paralysantes et une petite claymore que je vais poser à l'instant. Donc là, je vais vous expliquer vite fait pourquoi j'avais mis les atouts suivants. Donc en atout 1, il me semble que j'avais mis pillard, en atout 2, j'avais mis seigneur de guerre, en troisième atout, j'avais mis marathon. Donc je vais vous dire pourquoi j'avais mis donc cette configuration d'atout là. Bah tout simplement avec pierre pour ramasser les munitions du couteau balistique et aussi pour ramasser les tomahawks et les paralysantes. Parce qu'il faut savoir si on veut faire un beau gameplay avec le couteau balistique et tomahawk, c'est très important de mettre pierre. C'est aussi très important de mettre seigneur de guerre pour avoir deux tomahawks et trois paralysantes pour pouvoir paralyser les ennemis et les contourner. Et vraiment c'est très utile. Et c'est pour ça aussi que j'avais mis marathon, donc pour me rapprocher le plus des ennemis, pour pouvoir mettre un coup de cut si j'ai plus de balles ou quelque chose dans ce genre là. Donc alors je vais aussi proposer cette vidéo à Code QG, puisqu'il faut savoir que ce sera un très beau gameplay réalisé donc par moi-même. On est sur la map Havana, donc je l'ai pas précisé au début, et vous allez voir que je vais faire uniquement des kills au couteau balistique. J'avais aussi mis les killstreaks, donc Blackbird, Yui et Chien, mais rassurez-vous, les Chiens et les Yui ne vont pas faire énormément de kills, puisqu'ils vont faire une dizaine de kills, donc les deux ensemble, les deux réunis. Et voilà. Donc je disais que j'allais envoyer cette vidéo à Code QG, et vraiment, s'il m'accepte, vraiment, je serais vraiment très ravi, et je le remercie s'il me plaît sur leur chaîne. Donc voilà. J'ai aussi regardé sur leur chaîne, pardon, s'il n'y avait pas des gameplays au couteau balistique. J'en ai trouvé deux, donc qui ont été réalisés il y a pas mal de temps. Il y en a un, il a été réalisé il y a 2 ans, puis il y en a un, il a été réalisé en 2012, il me semble. Ils ont fait des bons scores, mais celui-là va être un grade supérieur, donc un niveau supérieur, puisque ce sera une tentative donc 30-0 au couteau balistique et au Tomahawk. Donc au passage là, il y aura un petit bug, mais rassurez-vous, ce n'est rien. C'est durant l'enregistrement, donc le me studio a bugué, me semble, ou la capture. Mais bon, on se retrouve donc quelques secondes plus tard. Et voilà, on est reparti. Donc il me semble que je vais pas tarder à lancer mon Yui. Et aussi, je compte à préciser que si je passe sur Code QG, donc j'aimerais bien me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Arthur dans la vraie vie. J'ai 16 ans. J'ai commencé YouTube il y a 2-3 mois. Donc j'ai posté des gameplays, donc quelques gameplays. Et en ce moment, je suis en train de faire donc une série sur ma chaîne qui consiste à vous présenter donc un gameplay sur avec chaque arme de Black Ops 2. Et aussi, il y a un montage que je suis en train de réaliser en ce moment, donc qui sera très prochainement posté sur ma chaîne. Donc si vous êtes intéressé par les projets que je fais sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera chaud au cœur de voir ma communauté se développer. Donc là, juste pour la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, je peux donner quelques conseils pour améliorer votre niveau donc sur Call of Duty. Avec bien sûr les couteaux balistiques et Tomahawk. Donc tout simplement, je vous conseille de rusher un maximum avec ces armes là, de bien contourner les ennemis, donc de les paralyser avant si c'est possible. Aussi, si vous voulez améliorer votre shoot au Tomahawk, ce que je vous conseille, pardon, c'est d'avoir une sensibilité adaptée et aussi de bien anticiper le mouvement de l'ennemi, donc d'anticiper sa trajectoire. Donc par exemple, si l'ennemi va de gauche à droite, de tirer un peu à droite pour pouvoir le tuer plus facilement. Donc voilà, le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, de mettre aussi un commentaire constructif si possible. Et voilà, le gameplay va se terminer bien sûr sur un 30-0 au couteau balistique et Tomahawk en mêlée générale. Donc voilà, en espérant être pris sur Code QG, allez, je vous dis salut tout le monde et je vous fais aussi plein de petits bisous partout. C'était Voltex, allez, ciao tout le monde.